Effectivement, à part cette somnolence superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Il était déjà dans l'antichambre, au mouvement brusque qu'il eut pour faire son dernier pas hors de la pièce, on aurait pu croire qu'il venait de se brûler la plante du pied. Adam ne sait pas bien que penser de ce jour. Perle portait un drapeau blanc et avait son bureau parlementaire. Adam se réveille un moment triomphant. Fallait-il que Perle vienne en personne et que lui-même ne manifesta toute l'innocente famille que l'instruction de ses célèbres affaires devait être confiée à son intelligence. Puisque vous repoussez ma demande, je ne me tournerai jamais dans mon pays. Avant s'engagea dans ce groupe d'aventuriers qui passaient. Les reproches que vous me faites là ne sont pas fondés. D'ailleurs, on ne m'en a pas souffert. Avant l'effort de ne pas crier. Il est l'heure que la victoire m'endorme. Mais c'est aussi ce que je veux. En revanche, il faut qu'elle soit continuellement réveillée. Il est vrai qu'elle n'a rien dit, mais j'ai tout de même trouvé qu'il valait mieux lui expliquer pourquoi j'ai dû le conduire ainsi. Dépêchez-vous au moins. Mais ce matin, il avait pu quitter ses enfants, son misère ne souffrait que de la tendresse. Ce n'est pas seulement dans les romans, mais dans l'existence aussi, qu'il est difficile de surveiller une jeune fille. Qu'elle se présente une fois la semaine, tout au moins, sous la lumière qui la met en lumière. Pourquoi pleurez-vous, ma fille? Reprit Adam. Il acceptait ce voyage qui devait la rapprocher d'Adam. D'abord, il faut que je la connaisse dans toute sa vie spirituelle avant de commencer mon attaque. J'ai oublié toutes les choses finies et temporelles, seul l'éternel me reste, la puissance de l'amour, son désir. Adam se résigna, plus une grosse part de crème. Les lames chuchotaient à demi-voix, et comme un silence se faisait, on entendit trois ou quatre mots, toutes se mirent à rire en se vantant d'une main languissante. Et je pense que c'est ainsi que les choses se passeront pour lui, mais dans une mesure encore beaucoup plus terrible, si on ne la trouve pas au gré de vos désirs. Il n'y a qu'à en produire une autre. Perle disait que vous ne viendriez pas, à cause du mauvais temps, mais le bon Dieu vous rendra tout ça. Je rends honneur à son père et à sa mère dans leur tombe pour l'éducation sévère qu'elle a eue, et elle lui surtout tirer que de gratitude, je pourrais me jeter à leur cou. Perle venait seulement d'ouvrir les yeux et elle le regardait. Adam déchet de résiner sur son pain avec une gourmandise d'enfant, tandis que la cuisinière pelait une pomme soigneusement d'un air maternel.